Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Origins. Il me semblait qu'on avait une mission déjà là, on est toujours donc dans la Haute Égypte. Donc c'est celles qui sont en verte, hein, qui nous intéressent. Le vœu d'une sœur. C'est parti, on va faire ça. Donc on repart dans la nécropole là-haut. Ah, en plus c'est des bonnes ressources. Voilà, des... Non, ça j'ai plus, mais c'est là-dedans que je vais arriver. Mais je l'aurais vu, ouais, y'a plus rien, c'est de quoi j'ai besoin. Donc ces ressources-là, j'en ai pas encore assez, puis les métaux. Des métaux. Pareil. Et puis des ressources, ben, d'hippopotames ou de crocodiles. Parce qu'il nous manquait toujours le plus, là. Après, on peut en trouver facilement quand on cherche comme ça, hein. Là, je vois pas le métaux, mais... Ah, des ressources. Ah, si, il y a un métal là. Ouais. On verra ça tout à l'heure. On va déjà aller faire la mission, hein. Ce qui nous intéresse le plus. Là, on est dans les beaux champs bien cultivés, là. De la vallée du Nil. Après, c'est des ressources qui me sont pas vraiment utiles pour l'heure, ça. De toute façon, quand on aura tout à fond, après, les ressources animales, ce qu'on aura, on pourra les vendre. Même si je crois que ça se vend pas une fortune, mais... Merde. Voilà, ce qui se passe quand on veut échapper au chemin. Ça complique la tâche. Parce que là, on m'envoie dans la nécropole. Le mieux à faire, eh ben, c'est de prendre le chemin qui est légèrement au-dessus, là, qu'on le rejoigne. On va bien le trouver, là. Non, il est pas là. Si, si, Ah, il est tout discret. Ça sert à sentier, là. Hein. Sapin. Un putain de serpent. De toute façon, c'est là qu'on va tourner. Oh, c'est pas un serpent. C'est une meute. Une meute. Qu'on n'a pas de mini carte, hein. On peut pas, on est obligé d'y aller comme ça. Alors qu'il y a plein de chemins qui dont on a vraiment besoin pour se repérer. Là pour accéder, donc ça ici, à mon avis, on doit venir d'un chemin annexe qui est par là ou je sais pas trop, j'ai pas vu trop vu l'embranchement, mais c'est pas grave, ça grimpe, c'est le principal. Sans les chemins, on se déplace difficilement à cheval, hein. Ou après faut le faire à pied, quoi, mais c'est plus laborieux. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien aussi me déplacer un petit peu à cheval. Un peu me promener, quoi, comme ça, pour pouvoir bien fixer les lieux, même si je les ai très bien fixés maintenant. On voit bien quels sont les allers-retours qu'on fait. Ah, la célèbre vallée des rois, regardez-moi ça. Alors, si on finit la mission ici, c'est bien, on pourra peut-être essayer de finir un peu les sites à explorer dans le secteur. Ah ouais, hé. Rendre la miette au frère de Raya, d'accord. Une fois de plus, alors il joue pas mal avec les mondes des morts, mais c'est bien, hein. Autant les exploiter, hein, toutes les belles choses qu'ils nous ont faites. Qu'est-ce que vous avez? Oh, oh, puis merde, allez. Hop, je m'en fous. Ils auront pas le temps. À mon avis, c'est là-dedans. J'ai éclairé.
Merde. Ah, enfoiré. Salaud. Ça suffit les conneries, hein. Bon, le problème, c'est que je crois qu'on est pas au bon endroit. Allez-y, rentrez là-dedans. Ce serait marrant, ce serait bien marrant de pouvoir les piéger comme ça, mais... Non, mais pourquoi... Il y aurait un autre truc ici? Pas possible. Bon, écoutez, je vais devoir éliminer tous ces tocards là parce que. Je vais pas pouvoir chercher tranquillement sinon. J'essaie. Hein. Je piche pas tout là. Contre ça m'agace. Ouais. Mais tiens, ils sont combien? Sous une colonie là. Vas-y, pointe-toi. Pour moi, ça peut être que là, mais visiblement, ça les bat. Normalement, c'est nécropole, il n'y a pas autant d'ennemis installés là-dedans. Dans les nécropoles des dieux là, mais... Ah. Derrière là-bas. Ah oui, c'était celle qui était un peu planquée. C'est pas celle de Toutankhamon peut-être. Ok, elle est un peu secrète. On voit rien sur le mur. Hein. Ah, c'est là. Bon, c'est un autre accès peut-être à cette nécropole. Ouais, c'est autant qu'à mon, je me suis pas trompé. Purgatoire. Tu as tué des innocents, des faibles. Tu as tué pour ta cause. Tu as fait preuve de rage. Tu as eu soif de vengeance. Tu as instillé la peur dans le cœur des innocents. Ah, s'il parle de Bayek, là. Gardez-moi ça. Ah, ceci est arrêté, le temps n'existe pas. Ça. Je voulais essayer d'accélérer le temps pour avoir de la lumière, mais visiblement... C'est magnifique par contre, putain... Oh là là... Un beau petit monde qu'on n'a pas encore bien exploré. Une belle vallée. Une cuvette.
Écoutez, si la mission s'arrête ici, on pourra explorer volontiers un peu cette ce secteur. Charmant village. J'espère que c'est pas trop blindé d'ennemis quoi, c'est toujours ça. Ah, je vais te dire. Ils vont nous faire chier tout du long une fois de plus. Dégage. D'accord. Ok, ils arrivent. C'est dingue ça. Ah, les soldats, les mondes des morts, ils sont vraiment casse-pieds. Tu es le frère de Raya, Ranofer? Je t'ai connu de mon vivant, Semi. Ta sœur a fabriqué cette amulette. On te l'a volée de ton vivant. Je viens te la rendre. Anubis t'a laissé passer? Pour que le cadeau de ma sœur me protège ici aussi? Je suis sans voix devant un tel présent. Garde santé et force sous les rayons de lumière, Ranofer. Incroyable. C'est plus sympathique. Je te souviens de dans le monde des morts et tout. Oh putain, c'est le pharaon là-bas, c'est un sommet. Ah et tout est permis dans ce monde-là. Hein. Ouais, dans la mythologie égyptienne, le passage sur Terre n'est qu'un passage. Regardez-moi ça, le truc qu'on grimpe là. Ah, c'est plus facile avec la mort. On peut l'utiliser si je savais pas. Si, on peut, oui. C'est pas fait gaffe. Il vole dans le monde des morts. C'est pratique. Ouais, parce que bien, c'est qu'avec ce monde des morts, tout est permis du coup. Ils peuvent faire des constructions incroyables qui sont. Qui sont pas existantes dans l'Égypte, mais qu'on aurait envie qu'elles existent, quoi. Ouais. Gardez-moi ça. C'est fou, ouais. Incroyable. Statue incroyable, toi.
Ouais, j'ai eu peur, j'ai vraiment pendant une seconde, j'ai cru que s'il allait pas atterrir dans de la paille, mais c'est bon. Ouais. Donc on a terminé la mission, c'est bien, ça nous laisse le temps de faire un peu tout ça. Donc, bah y'a des coffres, bon c'est bien, finalement on a bien fait de les dégommer, ces petits cons là, ils nous embêteront plus. Oui. Où est-ce qu'on accède à... Il y a un coffre là-dessous là. Tu me diras si c'était dans un autre contexte. Peut-être ici. Tout simplement là, là-bas. Aucun souterrain là. Bon, regardez sur la carte ce qu'il nous reste à faire. Ah oui, on est en mode. C'est nous. Bon, il faut qu'on fasse un peu tout. Hein. Mais il fait nuit, c'est vrai qu'il fait un peu sombre ici. C'est pas... Comme ça. Ah ouais, pas trop de musique d'ambiance ici, visiblement, pas comme dans l'autre monde qu'on a déjà bien fouillé là, puis on était précédemment. C'est quoi, c'est une nécropole? Ou c'est des temples? Les morts ils sont réenterrés, ils partent vers un autre monde des morts encore. Une fois dans ce monde là on croirait presque qu'ils sont vivants à nouveau quoi, c'est un peu ça, ils ressuscitent ailleurs quoi. Je regarde, mais on peut rien faire par rapport à ces fleurs souches là pour décorer. C'est bien charmant, une grande fleur de lotus. Oh. Ah putain! Même pas, c'est bête! Ok, un peu compliqué à fouiller ici visiblement. Tout m'a l'air sous terre. Faut trouver un accès au souterrain. Ah, c'est là-dedans, putain. Ah, c'est les délires avec les trucs de dinosaures. Alors, on avait vu ça auparavant. Ou en quittant, quand on avait combattu justement le fameux Tankamon. Regardez-moi ça le délire, on est dans un truc de dinosaure.
qui est nettement d'être plus ancien que l'époque des Égyptiens d'ailleurs. Je veux dire, le temps qui nous sépare nous du début des Égyptiens, c'est ridicule à côté de ce qui nous sépare des dinosaures. Hein. C'est totalement négligeable quoi. Hein. On est un peu mis à l'épreuve avec l'immensité du temps là. On est paumé là. On va bien arriver, faut fuir par là. Sous ces colonnes vertébrales de dinosaures. Deux sur trois, c'est pas mal. On est plus dans la zone où il y a des coffres. On se paume. Hein. C'est là-bas. Pas trouvé. Ok. Là-haut. Tu peux essayer de chercher un tout petit peu. Putain, je trouve pas. Oula, ça commence à m'agacer. Voilà, j'ai 4 dames. C'est fait. Alors, 62 mètres, il y a un autre truc à voir, mais tout est un peu à la verticale ici. C'est une vallée très sombre, hein. On s'y repère difficilement. Ça, par contre, c'est fou. Regardez-moi ça, la voie lactée incroyable. Ils ont pas négligé leur province annexe, hein. Il y a comme une espèce de comète qui se promène là. Ouais. Les orbes des morts. Il y a les stèles. Ah mais j'ai déjà entendu ce bruit, maintenant je sais où c'est les... Il me semble que les... Lorsque Ré, le dieu soleil, quitte le ciel la nuit, il gagne la droite. Là, il voyage jusqu'au retour de l'aube. C'est dans la droite que Ré défait Apep chaque nuit pour apporter la lumière au monde. Ouais, c'est la droite. C'est le bruit là, c'est le même bruit que faisaient les bicornes de Napoléon qu'on récupérait dans Assassin's Creed Unity. Et les cocardes aussi. Restaurateur de la foi. Toutankhamon, nous t'honorons, toi qui es l'image vivante d'Amon. Toi qui nous a ramené des ténèbres vers les vrais, bâtis leur temple sur 5 colonnes comme les 5 nés de Nout. Elle qui a donné naissance au dieu qui porte les eaux mouvantes sur sa couronne. On te donnera tous les fragments pour récupérer quelque chose. Ouais, sans doute avec un tuto parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Les fragments de dinosaures, c'est incroyable ça. Mais même ça c'est... Oh là là. Incroyable. On se rince l'œil à chaque fois. Hein. Alors, il y aura une mission à faire ici d'ailleurs. On pourra nous occuper aussi pour le prochain épisode. Hein.
À moins qu'un truc soit dans l'inventaire, mais je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit à faire. Non, mais c'est bien, on pourra s'occuper directement avec ce qu'on a sous la main. Hop là, double kill. Encore 3 coffres à trouver. Ils discutent entre eux, ces salauds là. Ces gardiens de l'éternel là. Comme ils sont ultra agressifs, je vais les dégommer. Allez. Merde, mais meurs ! J'ai compris ! Alors, un coffre à trouver ici. Ah, ils s'attendaient pas trop à ce que je les attaque, ces messieurs-là. Ils étaient posés là-bas sur leur banc, là. J'ai tous dégommé. Alors, on va encore faire un truc ou deux, puis on arrêtera. Un monde figé. Ok, lire les stèles. Ah, c'est un oiseau gentil. Là c'est 100% égyptien, hein. Y'a pas de grec hein, ici. Hein. On est avant. Hein. Gros niveau, j'ai dégommé. Ok, c'est un fort de niveau 2, ça déconne pas. Un coffre. C'est moi le bigué? Avec quelques habitants aussi.
présente pas. Hein. De la promenade quand on va revenir dans l'Égypte principale, hein. Là, je veux qu'on est un peu dans la vieille Égypte quand même. Hein. Ah, vraiment aussi. Enfin, je sais pas si c'est la vieille vieille parce que les vieilles pyramides les plus vieilles c'est celles de l'ancien empire et elles sont en basse Égypte. Attends, je suis fort. Ouais, les stèles à lire là, tiens, je vais faire ça, puis ce sera bon. On a encore un peu de trucs à parcourir dans cette petite province, mais c'est bien. Ça fait pas mal d'exploration parce que dans l'histoire principale, on fait que la traverser rapidement, puis c'est tout. Là, on profite un max. Il y a tellement de trucs, ce serait tellement dommage de faire que les missions principales et de tout laisser de côté. Franchement, tout ce qu'on louperait. Autant faire un jeu linéaire quoi, mais là, les jeux open world, c'est aussi pensé pour qu'on explore un peu, etc. quoi. Je pense que dans Far Cry c'est pareil, hein. De souvenirs c'est pareil, il y a plein de... Pas le premier parce que le premier n'est pas open world. Et le deuxième je crois qu'il est déjà open world. Mais les Far Cry c'est pas mal aussi de... Oh ouais d'accord, un dinosaure. C'est aussi pas mal de... Voilà, d'une exploration libre comme ça avec une histoire principale et des cas un peu de quelques secondaires, tout ça quoi. Bon, on verra. Comme on est habitué à Assassin's Creed, je pense que ça ira, ce sera pas trop différent. Juste qu'après c'est du FPS donc c'est vraiment pas le même gameplay. Mais je pense qu'au niveau de l'organisation du jeu, ça leur semblait un peu. Hein. Là, est-ce qu'elle vient ? Maison d'éternité. Abandonné, nous pleurons tout en t'honorant, car tu dois reposer pour l'éternité. Nous peindrons tes ennemis sur tes sandales afin que tu puisses à jamais les piétiner. Nous t'offrirons un trône d'or Wadjet à tête de cobra. Nous t'offrirons un trône d'or Wadjet à tête de cobra se dressera sur ton front. Ainsi sera révélée ta souveraineté. Voilà, j'avais envie de casser un peu de vaisselle. Quatre étoiles, c'est bien rare ça. Bon écoutez, on a pas mal bossé, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao !